Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un 10e épisode du coup de ce let's play sur Rage 2. Comme un con à la fin de l'épisode précédent qui a eu lieu juste avant pour moi. J'ai complètement rage quitte le jeu pour gérer mes VOD et tout, alors que j'aurais très bien pu juste rester sur le jeu. J'ai quitté le jeu et tout, sauf que j'avais pas sauvegardé. Donc il a fallu que je recommence un petit peu en arrière, d'aller retourner voir Xvazir et tout. Un peu galère. Enfin, y a un contrat dans la foulée? Je vois pas. Ah, mais y a un petit contrat là! C'est nickel! Mode veille. Mais allô? Et encore un. Ouais, donc en fait, je pense que il y a un drone par dans chaque endroit et qu'il faut tous les péter, hein. Et ça me fait un peu peur, je vous avoue. Allez, zou. Alors oui, hein, du coup, je veux juste nettoyer ce campement à la con. Je sais pas vraiment si... Ah, je sais pas vraiment si c'est très important ou quoi, mais voilà, je vais le faire. D'ailleurs, j'ai pas du tout fait de save manuel. Sait-on jamais? Voilà, ça c'est cadeau. T'as la violence de l'écrasement quand même. Bon, cette fois-ci, j'espère que le GPS va pas m'emmener. Ah oui, il faut que je fasse le grand tour quoi. Ouais, très bien. Faisons le grand tour. La maniabilité me fait penser à... Alors c'est un jeu que j'ai à peine survolé, hein. J'ai pas du tout persévéré. Mais le fameux Batman... Repère de bandits. Batman Arkham Knight. Reviens vite me voir, Walker. Où la Batmobile était jouable. Et merde! Voilà, nickel. C'est un petit drone là qu'on entend là?
speedrun. Ah très bien. Je me suis, comme qui dirait, cassé la gueule. Mais attendez, hein. Alors, il y a un truc par là. Il y a un truc par là et ce serait en hauteur. Ce serait en hauteur. Ou alors je vois pas. Parce que là, il nous dit que... Mais on voit rien, bordel, il n'y a pas de lampe, il n'y a rien. On voit rien. Je suis là, je suis totalement à la beuglette. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, quoi? Ah mais... Pff, ouais, quoi. Vraiment, celui-là, faut le trouver au pif. Hein. Ah la galère. La galère. Comment bien commencer un épisode, hein. C'est plutôt par là, hein. Le problème, c'est que c'est déjà exploré tout ça. Oh. J'en ai plein le cul. Ça y est, hein, c'est officiel. Putain, il me dit qu'il y a un truc par là, là. Mais c'est quoi cette arnaque encore? J'en ai marre. Oh là là. Allez, à la recherche de la dernière caisse. Là-haut. Là-haut. Yes! Bon. Alors. Petit convoi. Activation des systèmes. Ah, si on peut le choper, ce serait génial. Il est loin, ça va être compliqué. Ouais, la conduite, pas dingue. Je suis pas...
suis pas convaincu. Il a disparu le convoi ou... Ah oui! Il se déplace! Je le rattraperai jamais. Bah si, je vais le rattraper, mais je veux dire que je vais passer... J'aimerais bien aller valider le contrat. Et on a, je vous le rappelle, une mission de scénario dans le coin aussi à faire. D'où l'intérêt de... Ouais, je suis en train de le rattraper. Allez. Ça va être un peu long, on va s'éloigner, on va être à 4000 km de l'objectif, mais c'est pas grave. Attention, verrouillage ennemi détecté. Destination atteinte. Intégrité à 90%. Va falloir sortir les accessoires pour pénétrer ces boucliers. Énergétique. On va attendre qu'ils sortent les... Les bordels. Bon, nickel. C'était un petit peu long, fastidieux, mais c'est fait. Et j'ai débloqué le Raptor, une moto qui a l'air stylée, mais est-ce qu'elle est jouable? Ça, c'est à voir. Bon, on est juste à 3 millions de kilomètres. Allez! Bon, attendez, hein. En cas de problème, je préfère. Ouais, réparer bonne maintenant. Chance. Je fais un contrôle technique. Attends-moi. Quoi? Donc voilà, Walker. Plus en forme que jamais. C'est vrai qu'on aurait pu se TP ici. Mais bon, trop de TP, tu l'as TP. Hein. Là, je suis crevé. Je vous le dis, hein, cet épisode ne sera pas très très long. Faut que je dorme.
Attends, me dis pas que le contrat est au-dessus du... Oh! Ok. On y est, bébé. Et ben on va faire comme la dernière fois. On va grimper. Activé. Comme ça. Voilà. Allez, ça c'est fait. Au secours. Putain. Suivant. Suivant, suivant. Est-ce qu'on va valider celui-là? Putain, il faudrait, hein. Mais limite, faudrait limite que je prenne le véhicule qui vole. Mais ce qui m'emmerde, c'est que je vais faire des économies. Donc on va pas le faire. Eh ouais, j'ai pas beaucoup de sous, donc bon. Non. Non. Putain, y'a un truc là. Mais c'est perturbant hein, qu'il n'y ait pas de mini-carte. Mine de rien. On doit automatiquement se fier au GPS de la route. Et on n'a pas de moyen d'anticiper finalement des bifurcations. Pas ouf. Caisse, ça n'était pas indiqué par mon super nouveau radar. Ah, c'était pas indiqué. Ouais. Allô, au secours. Bon, on va faire cette quête, hein, quête du scénario. Activation des systèmes. C'est parti. Au secours. Non, c'est bon. Tout est sous contrôle. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de véritable système d'XP dans ce jeu. Bon, il y a le système d'XP qui... indirectement qui monte en fait les projets et les points de projet à appliquer, mais il n'y a pas de vraiment de... d'XP personnel. Bien, je vous
possède un dispositif Locus, ah ouais, comme tous les marchands de matos technologiques. Ça émet un signal que tu pourras capter sur cette fréquence. Attends. Oui, si, c'est bon, je peux faire le tour. Ok, cool. Putain, le bordel dans le quartier. Dave. Mais si seulement j'avais su, je me serais. En plus, putain, le spot où je me suis emmerdé pendant une demi-heure pour trouver les coffres. Focus. Faire quoi? Ah, pour regarder dans le bâtiment. Oui, non, mais c'est surfait ça. C'est un gros par contre. Non? Là-dedans, c'est obligé. Ah, la porte est fermée. Original. Super. Bien joué. Oui, j'ai l'overdrive, je sais. C'est bon la paix. Non mais par contre, faut mourir. Vous allez vous calmer? C'est terrible ça. Hein. J'ai beaucoup de mal à jouer avec une arme en FPS sans viser ou juger comme ça. Bon, cela dit, j'ai beaucoup de mal à jouer au FPS tout court. Ah mais il est là. Oh. Si vous vous mettez dans des endroits chelous aussi, je peux rien pour vous. Bon alors, le signal. Bah moi je dis, il est à l'étage. Hein. Bah oui, il est là-haut. Oui, il est attaché. Enfin, il ou elle d'ailleurs. J'essaie d'anticiper un boss éventuel. Non, c'est bon. Musique. Putain, ça fait déjà 30 minutes. Allez. Gulot. Gulot qui bah oui. Hein. Le signal est toujours actif. Désolé Gulot. Oh, ça va pas être beau à voir. Voilà. Bien joué. Hein. Marche. Les sueurs m'ont trouvé. J'ai pas pu m'enfuir. Je me suis enfermé dans un coffre pour enregistrer ça. Je crois qu'on se reverra pas. T'étais le seul type bien que j'ai jamais rencontré. Les coordonnées du repère de l'autorité sont sur le Locus. Je vais faire comme tu m'as dit et avaler cette crue. J'espère qu'ils vont pas m'ouvrir le bide. Je suis sûr que tu remonteras le signal pour me trouver. Adios.
Autobot. Activation des systèmes. Bon, ok. Un autre convoi ? Marshall, mauvaise nouvelle. J'ai trouvé Gulo. Elle est morte. Merde. Elle va me manquer. Adios, je suppose. On se reverra de l'autre côté, ma fille. Elle a donné sa vie pour ça. Le Locus. Il contient les coordonnées de l'autorité. Eh ben vas-y. On va trouver quel système de sécurité ils utilisent. Je suis en route. Au moins, sa dernière expédition... Pardon. ...n'aura pas servi à rien. Amen. Elle sera à nos côtés pendant ce combat. Bon, nickel. Alors, l'avantage... Quoi ? Ouais, l'avantage, voilà, c'est que... Mais merde, mais non, mais... Oh, quelle vie ! Au secours. La vie, c'est de la merde. Mais je le vis bien. Voilà, allez. Continue de faire des conneries. Finalement, j'aurais suivi la route. Ça aurait été encore mieux. Mais c'est le même convoi, en fait. Donc, les convois, c'est toujours... Il n'y a pas de vrai succès. Il n'y a pas une véritable progression. Non, par contre, Jean-Michel en moto là. Ok, c'est arrêté. Alors, j'ai vu le ballon, hein, mais je vais pas m'arrêter pour un petit ballon. Là, rebolote, en plus je me tape le même. Mais non, mais ne fais pas ça. Ah super. Je vais tout faire à l'ancienne. Non. Walker, je suis brûlante. Ah ouais, mais bon, c'est un effort. Non. Non mais attendez, j'ai presque... Ah, au secours. J'ai presque plus de mine. Je fais comment? De merde, c'est chiant. Non, encore par hasard. Ben voilà, putain, le point faible qui sort. C'est pile à ce moment là que je suis en surchauffe. Il n'y a pas moyen de crafter une nouvelle arme. La bagnole. Système entièrement restauré. On va faire un petit tour dans les compétences d'ailleurs. Ah ouais, il m'en manque à peine. Il m'en manque que dalle. Je suis dégoûté. Ok. Ouais, je trouve pas ça si intéressant que ça finalement quoi. Ouais, si les derniers. Ah, la fameuse réduction, putain, que j'aurais dû acheter. Que je me suis emballé d'acheter les trucs tout à l'heure. Oh, j'aurais économisé tellement de thunes.
D'accord, bon. Je suis comme un con, quoi. Et donc au niveau des nanotrites, est-ce que je peux débloquer quelque chose? Ah, peut-être au niveau des armes aussi. Ah bah oui. Ah bah oui. Voilà. On se met bien. Et le peupon. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et que je regarde un petit peu. Je suis en train de m'étouffer, hein, tout va bien. Donc ouais, là on s'optimise vraiment pour améliorer certaines compétences. La barrière, je m'en sers pas. Bon, pourquoi pas l'élargir par contre? Ouais. Avec un temps, avec une utilisation plus régulière, du moins la possibilité de l'utiliser plus régulièrement, il y a peut-être moyen que ouais, ça devienne très très intéressant. Donc à voir. Mais pourquoi il me met bizarre. Quatre chocs. Et qu'est-ce que ça change? Ah oui, ça. Terrible. Minutes, ouais, c'est pas mal en cas de grosse galère. Et il manque écrasement, écrasement qu'on a toujours pas débloqué. Et pourtant, on a exploré la moitié de la map. Je suis allé tellement loin. Aider les opérations de vos alliés afin de. Ah, d'accord, ok. Donc, faut vraiment que j'avance dans les autres scénarios pour éventuellement. D'accord. Je suis tenté. Ouais, mais non. Vas-y, on va faire les trucs qui sont proches de nous. On a fait ça hein, comme scénario, entre guillemets, même si c'était juste. Répéter 2-3 sbires à un endroit qui était déjà cliné depuis longtemps. Mais voilà, on va traîner parce que je sens que le scénario n'est pas très long. Donc, dans le doute. De toute manière, il faut. Bah, le jeu, c'est surtout ça, hein. C'est un gros bac à sable. Oh non, mais non, mais non. Ouais, c'est plus vraiment le niveau de sécurité de Vineland. Mais non, mais je supporte pas ces endroits, je supporte pas, au secours. Ah, super. Bon allez, c'est bon, ils sont où là? Je les déteste, hein. Vraiment. Je les... Tant pis, je tank, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Le bordel. Mais fous-moi la paix, j'ai plus de balles.
t'entends, hein, drone de tes morts là. T'inquiète, hein, je m'occupe de toi après. Je vais péter une caisse pour récupérer de la vie. Voilà, nickel. J'en ai plein le cul. Je supporte pas ces endroits de merde. Je vous déteste. Salut idem. Je vois que je suis pas le seul à ne pas supporter ces saloperies de merde. Salut à toi en tout cas. Zombie 442. Non mais c'est que vraiment t'as pas une seconde quoi, c'est vraiment bon, d'un côté c'est sympa. Mais bon, pour quelqu'un qui est voilà, qui est pas très fan des jeux d'horreur et qui a du mal un peu, qui a du mal avec le stress dans les jeux, c'est pas le top quoi. Bon, toi j'en ai marre de t'entendre. Très bien. Voilà. Donc, ça c'est fait. Y'a pas moyen de détecter les Ah mais si, y'a moyen de les détecter comme ça. Très bien. Non mais je m'en fous. Je m'en fous. Mourrez, crevez tous. Foire à la saucisse. C'était terrible. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça fait vraiment du bien. J'en pouvais plus. Petit bloc. Installation et exploitation. La station de recharge solaire est pratiquement opérationnelle. Cet endroit fera un poste de commandement avancé idéal lorsqu'il sera fonctionnel. Malheureusement, notre position est fragile. L'engeance cramée nous encercle. Il nous faut établir des circuits d'approvisionnement solides. Dirigez-vous vers l'est pour trouver des pièces de rechange pour la salle de contrôle. Ceci est une priorité de la plus haute importance pour tous les éclaireurs. Porte tempête. Très bien. Tellement de sport. Ouais, peut-être que j'allais troquer les sports. Moi ce qui me gave, la voiture qui parle. Oh non, la voiture qui parle, c'est marrant. Mais Qu'est-ce que fait-on ? Activation des systèmes. Bon, je peux comprendre que ça énerve, oui. Mais bon. Voilà, c'est cadeau.
C'est bon là? Ils sont tous calmés? Nickel. Non, il n'y a pas de verrou, je crois qu'il y avait un verrou. Qu'est-ce qui se passe là ici, là, au secours? Allô? Très bien. J'aime bien tourner en rond comme un guignol. Autant pour moi. 1 sur 2. Donc il y en a un qui est par là. Ah mais il est là devant moi depuis tout à l'heure. Voilà. Ah très bien, alors je voulais faire un truc incroyable, un beau move, et finalement il ne s'est rien passé. Oh, il y a tellement d'endroits à nettoyer, vous me faites péter un plomb les mecs. Bon et ça du coup finalement ce serait bien d'aller le nettoyer, qu'on n'en parle plus. Activation des systèmes. Un petit, un petit point comme ça perdu au milieu de nulle part. Destination. Barrage, crois-moi. Allez, un barrage, super. Mode veille activé. Ah, franchement, l'optimisation des dégâts via les améliorations, ça fait du bien quand même. Bien ce que je disais, hein, le spamage de L3, il nous met souvent dans l'incompréhension la plus totale. Oui, je m'apprêtais à tuer un sbire là, juste pour l'info. Bloc de données qui est par là aussi visiblement. Ah ça détend. Trop cool bébé. Il y en a qui disent que les cramés, pardon, ont toujours été dans le coin, que c'est une force de la nature qui existait dans un équilibre naturel, d'accord, entre bastonneur et bastonné depuis la nuit des temps, et qu'on n'est qu'un rayon dans la roue de l'évolution, l'évolution naturelle, l'évolution naturelle. Ces gars-là, on les a balancés du haut des toits, les binoclars, c'est eux qui volent le mieux parce qu'ils n'ont rien dans le froc et qui savent faire que crever. Et puis, c'était pas comment ils croivaient, oh putain. Pour info, ici, Buzo Borzard, pulvériseur de prose, est le cramé le plus malin de loin. Les cramés sont nés quand la première cramée, Desimatra Kilchin, était en train de défoncer la gueule de sacs à viande et qu'elle avait pris des cachetons et qu'elle était complètement chez père, perché. Comme d'hab quoi. Et puis, elle a eu une épiphanie, oh putain, qu'elle était toute petite et que le monde, il était géant parce qu'elle n'arrivait pas à triper dedans. Trop gros pour ça, on connaît tous, c'est là que son cerveau a explosé et qu'elle s'est mite à tout déglinguer jusqu'à plus soif. Desimatra avait besoin de trouver d'autres cramés comme elle, et même si ses méthodes de recrutement étaient pas trop méthodieuses, et que le recrutement c'est quoi, ses qualités supérieures de persuadage ont lancé le plus grand gang que le monde a jamais connu du monde. Elle s'est collée avec les autres Détracos, mais ils détraquaient plus
tellement. C'est la meilleure phrase que j'eus jamais écrite de mes yeux. Et puis après, les gens faisaient que de les payer avec des flingos pour tout niquer la grosse classe. Putain, c'est dur hein, de lire. de lire un truc écrit complètement au schnapps. C'est pas évident. On va aller valider ce point, ça me perturbe. Oui, c'est vrai. Activation des systèmes. Je trouve ça insupportable. Non, j'ai pas le temps. Régieux se prend pas au sérieux. Ah ben non, pas du tout. C'est pour ça, hein, même le délire avec la voiture, ça fait partie du lot, quoi. C'est du AK-K2000, mais décomplexé, quoi. Déjà, K2000, c'est décomplexé, alors... De recherche. Ah oui, oh! Surtout qu'il faudra de la cover pendant un million d'années là. On y est avec le voir, Walker. Voilà, ça c'est cadeau. Et bah, allez. Je sais pas, au secours. Bah non, pas du tout. Voilà, bien joué à moi. Bon, on va pas trop batailler, voilà, on va l'activer de suite. Mais finalement faut vraiment faire le plot quoi hein, pour réussir ce truc hein. Complètement contradictoire au gameplay finalement. Bon. Si. Mais il y a un sbire au milieu ou quoi? Ah bah oui. Pas pour moi. Tiens, pour votre plus grand plaisir. Mais merde! Mais putain de bordel de cul! Ah mais ils sont niqués en plus là. Ah et c'est bon là hein. Ah, encore un convoi, tiens. Putain, si j'avais fouillé avant. Il y a des trucs à trouver. On peut pas partir comme ça. Ok. Là-haut, je suppose. Dans le coin visiblement, là.
Mais merde. Bon, peut-être là-haut. Bon après finalement quand on en chope un ou deux des endroits, les endroits se ressemblent assez. Merde, peut-être ouvert ma gueule un peu trop tôt. Dedans, y a pas moyen de rentrer par hasard. Bon alors, visiblement c'est dans le quartier hein. Là. Voilà. Allez ça c'est fait. Nickel. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, on va pas tarder à s'arrêter pour cet épisode. Est-ce que je me refais un dernier petit convoi? Ah oui, non, mais j'ai plus de munitions. Ah non, grave erreur, j'ai pas de munitions. Repère de bandits. Ah, on pourrait faire ça, cela dit. On pourrait éventuellement faire ça, c'est un endroit qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc on pourrait faire ça pour terminer. Et on va faire ça pour terminer. T'as ce sprint. C'est énorme. Activation des systèmes. Pire idée. J'ai pensé un truc mais le véhicule n'y a pas pensé. Il y avait incompatibilité dans l'idée de manipulation. Bonne game. Ça marche. Ben, salut, merci d'être passé. Va revenir à l'occasion. Et bon jeu. Voilà, quel vent. C'est un fou dans la merde d'ailleurs. Non, c'est là qu'il veut écraser un mec et que finalement il meurt. Le karma. Non. Je sais pas ce que c'est ces merdes, mais je veux pas savoir. Ouf. Bah, c'est un convoi. C'est un convoi. Il est là. Oui, mais non, mais j'ai pas de munitions. Mais. Non, non, mais j'ai pas de munitions. Oublions le convoi. Amnésie man, c'est bon. La caméra PlayStation, on va s'en passer. Marshall. Hulot n'exagérait pas. Toute la zone grouille de sueur éternelle. Les salauds qui ont descendu Hulot. Mais c'est te faufiler à l'intérieur et trouve-moi cette info. Ah, de me faufiler à l'intérieur. Des connards tenaces. T'inquiète pas pour ton info. Comme je l'ai dit, ils sont très doués pour mourir. Mais je sais pas comment les redirige. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Parce que là... C'est terrible. J'ai un truc stylé, je peux faire un truc stylé mais finalement je ne fais rien.
D'après ce que je vois, l'autorité n'est pas venue ici depuis un moment. Vous êtes sûr que ça va marcher? Fais-moi confiance, je les connais. Leur nouveau modèle, c'est la même camelote avec une nouvelle couche de peinture. Là-dedans ? On va trouver un moyen de se faufiler. Oui, alors il y a un truc à trouver, alors pardon, mais mais merde. En haut ? Ou en dessous ? Ah, peut-être en dessous de moi. C'est probable. Ou alors je suis aveugle. C'est probable aussi. Bon, je pars du principe que c'est en dessous. Vraiment louper des trucs hein, si on n'avait pas le détecteur là. C'est quand même grave. Quoi ? Ah, nickel. Allô ? Ça c'est cadeau aussi hein. Grand coup dans la gueule. Le bloc. Projet Archeon, lancement général. J'ai commencé à étudier les données issues des terminaux endommagés des docteurs Vazir et Cadence. Leur travail est prometteur et j'ose penser que la seule raison de leur échec tient au fait qu'ils s'en étaient tenus à leur notion rétrograde en matière d'éthique et de bien-être humain. Je vous assure de ma loyauté envers vous comme envers ce projet et j'éliminerai quiconque freinera nos avancées. Ensemble, nous atteindrons des sommets qu'un Gvasir n'aurait jamais même pu envisager. Le projet Archeon est officiellement lancé, j'ai déjà commencé à recruter des cobayes. Ah, petit trophée, je te vois. Sûrement parce que j'ai mis une grande tatane à Jean-Michmuche qui est invisible. Ah mais il y a 3 blocs de données. Au secours. Non mais putain, j'ai un trash absolu, je me dis que ça y est, j'ai loupé un truc. Ah bah non mais... Projet Archeon, structure modulaire. Monsieur, je peux vous confirmer que les gabarits modulaires décrits dans mon rapport demeurent notre plus grande chance de développer une force militaire adaptable et réactive. Mon équipe a développé des composants et nous avons constitué une réserve de pièces détachées pour mutants ou pidémutes, comme j'ai fini par les appeler. Ces pidémutes constituent une structure de silicone associée à des tissus charnels développés en cuve avec beaucoup de succès. Cette méthode permet des créations d'une plus grande flexibilité et d'une plus grande force. Exactement ce qu'il nous faut pour achever notre prototype de titan. Ah. Et donc du coup en arrière, peut-être que j'ai loupé quelque chose aussi. Ah désolé. Hein. Mais je trouve ça bizarre hein, ici... Mais putain, mais... Projet Archeon, la qualité d'abord. Général Cross, je comprends que le budget des ressources du projet Archeon vous semble extrême et je reconnais que notre quantité de rejet et de matière brute n'est pas négligeable, mais je tiens à vous assurer que c'est un mal nécessaire à mon fonctionnement. Les notes de Gvasir et Cadence étaient incomplètes et je dois mener des expériences pour confirmer des hypothèses qu'ils ont été trop froussards pour explorer. Comme nous en avons discuté, je vise avant toute chose l'efficacité et la discipline. Je vous promets que d'ici la fin du projet, Archeon nous aura rapporté l'armée de mutants la plus efficace et loyale que vous n'auriez jamais espéré. Voilà, de la lecture. Alors je sais que... Ah, oh, dès qu'il y a de la lecture, les gens rage-quittent, hein, mais... Mais c'est bien de lire. De s'intéresser un peu au lore. Et pas forcément tirer sur tout ce qui bouge et de rien comprendre. Parce que bon, pour ça, vous n'avez pas besoin d'acheter un jeu 70 balles. Hein. Vous pouvez jouer à Fortnite, par exemple. Exemple. Ce n'est qu'un exemple, hein. Il y en a plein.
Mais bizarrement, Fortnite est le premier exemple qui m'est venu en tête. Je ne sais pas pourquoi. Bon alors, il me manque une caisse. Finalement, le scénario, je m'en fous. Marshall, j'ai trouvé une espèce de bricolage complètement ahurissant. Les Suaires ont collé un vieux processeur sur la liaison de l'autorité pour dériver les données du canal principal. Ces abrutis nous ont facilité le travail. Utilise le locus pour télécharger tout ce que tu peux. Allez, vas-y. Et puis après, on va se friter la gueule. Discothèque. On a touché le chrono. Je suis verrouillé sur leur sécurité. Hein ? Les enfoirés de l'autorité. Qu'est-ce qu'ils foutaient quand ils faisaient buter des Suaires à la chaîne ? Allô ? J'arrive. Eh ben nickel. Bon par contre ma voiture, au secours quoi. Eh ben nickel. T'as un convoi. Ok. Bon de toute manière on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que je ferai pas un petit voyage pour anticiper? Ou alors on va le voir. On retourne le voir. Allez, on retourne le voir et on s'arrête là-dessus. On va faire ça. Comme ça, on complète un peu la mission et probablement que derrière, va falloir aider Xvazir pour équilibrer justement les progressions et avancer. De toutes parts. Marshall, je suis rentré à Gunbarrel. Parfait. Retrouve-moi dans l'armurerie. C'est parti. Pourquoi je me trompe à chaque fois ? Il faut qu'on parle. Ah oui. Alors, bon, change. Marshall, on est prêt ? Et comment ? Il faut qu'on parle. Grâce à toi et au sacrifice de Gulo, le brouilleur fonctionne à merveille. Et on est prêt à tout défoncer. Vas-y, prends-le. C'est ton nouveau meilleur pote. Lui, non ? Brouilleur. Ce bijou empêchera l'autorité de corrompre ton système avec leur technologie. Crois-moi, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas n'importe quel mais. Il nous faudra encore deux pièces du puzzle. L'Uza Magar de Wellspring pourra t'en procurer une. Et pour l'autre, il faudra voir avec le docteur Xvazir. Une fois ces trois pièces réunies, on pourra lancer le projet DAG. Attends. C'est tout ? Ok, je m'en occupe. C'est tout ? Ah, attends, j'ai deux objectifs quand même. Le signal. Petit trophée. Petit trophée. Putain, j'ai deux spots de quête. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais. D'accord. Bon. Ok, bon, de toute façon, je pense que ouais, on va s'arrêter là-dessus et on reprendra la prochaine fois.
Mais ce qui me fait chier, c'est les munitions, putain, les convois. Parce que je suis en upgrade de véhicule, finalement, il me manque que dalle. C'est terrible. Bon, ok. Je sais pas du tout ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Je sais pas si on décide de se barrer. Putain, mais il y a tellement. J'ai tellement un clean en fait dans cette zone et ça m'emmerde de laisser ça comme ça. Vraiment, ça m'emmerde de laisser ça comme ça. Donc, je pense honnêtement que tout ça, on va le nettoyer la prochaine fois. Qu'on y voit un peu plus clair sur la map. Parce que mine de rien, on a fait déjà un beau taf de nettoyage. Faut dire ce qu'il y est. Peut-être ici, il y a peut-être 2-3 trucs qu'on n'a pas vu. Peut-être par là également. Mais il me semble qu'on y était déjà allé par là. Hein. Enfin, qu'on avait checké. Oh, peut-être pas le côté gauche. Le côté droit, on avait vu. Mais pas le côté gauche. Donc à voir. Mais mine de rien, on a bien avancé. Et j'ai l'impression en fait que le jeu est court. J'ai l'impression que le jeu est court. Parce que là, il me dit, ouais, c'est bon. Fais le truc avec eux et puis une fois que c'est bon on lance le projet et à mon avis quand ils lancent le projet d'Ag ben, finalement c'est l'assaut final et on défonce le gros méchant quoi. Donc a priori le jeu serait court. L'open world finalement à explorer est pas si court que ça parce qu'il y a quand même moult activités et des trucs qui prennent du temps mine de rien. Mais ouais. Ok, bon, eh ben écoutez, je me casse, je fais une TP un peu plus au nord, histoire d'être prêt pour la prochaine fois. Et ouais, prochaine fois par contre, je vous le dis, gros nettoyage en perspective. Essaie de ne pas te faire tuer. Pas de problème. Et est-ce que je rachèterai pas? Ouais, non, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour acheter des munitions. La question c'est, est-ce que je peux m'upgrade par contre? Attends, y a un truc par là? Ah. Finalement, c'est de la merde. Oh, yes. Il y en a un ici. Savais pas. Un petit bloc de données planqué. Prospectus de bandit, vous voulez un bolide tout joli, tout chromé? Emmenez-le au tranchant dès aujourd'hui. Le tranchant juste au sud de Gunbarrel. Remise et rafraîchissement. Ouais, on est ouvert. Ouais, ok, bon. Petite TP. Petite TP et on s'arrête là-dessus. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à revenir pour voir la suite de cette aventure incroyable. Entre autres choses. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à voir ces temps-ci. Donc voilà, n'hésitez pas. Des gros bisous et bah, YouTube à bientôt. Voilà, salut.